Alors, ces limites chronologiques ont été choisies par l'auteur parce qu'elles sont essentielles dans l'histoire du Moyen-Âge. Entre le XIe et le XIIIe siècle, il y a une croissance démographique et une croissance économique qui sont très importantes. Ces deux croissances, qui sont vraiment liées l'une à l'autre, ont des fondements, des raisons, et le propos de cet ouvrage, c'est d'essayer de trouver les raisons de cette croissance. La thèse de l'ouvrage, c'est que, en l'absence de tout changement technique considérable, et en général les changements techniques aboutissent à des évolutions d'ordre économique, en l'absence donc de tout changement technique, ou en tout cas de changement technique majeur, il doit y avoir une autre raison, et il suggère que ce soit une raison d'ordre social. Et en cela, il revient sur les travaux de Georges Duby, par exemple, qui a mis en valeur les trois ordres qui caractérisent la société féodale. La figure centrale, c'est celle du paysan, du laboureur, comme l'indique le titre lui-même, qui est évidemment dans une situation qui, dans cette période-là, est valorisée. Le paysan joue un rôle considérable. Il va bénéficier d'une partie de ce qu'il produit comme richesse, et il ne va plus être cette menace. On pense aux révoltes paysannes, cette menace que craignait la société féodale.